Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianskripa. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Que se passerait-il si la fille du président ou une princesse tombe amoureuse de vous alors que vous étiez déjà amoureux d'une autre personne? Que feriez-vous, mes frères et sœurs, de cette situation? Ah! Ce que vous allez attendre, ce que vous allez découvrir va tellement vous étonner que vous serez surpris, mes frères et sœurs, ça va être chaud. S'il vous plaît, marchons un peu. Mes frères et sœurs, vraiment, parfois nous traversons des situations trop compliquées. Ou encore on se retrouve dans des situations assez étranges. C'est tellement étrange qu'on se demande même mais pourquoi ça nous arrive. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi ça à moi toujours ça arrive? Ah, pourquoi ça à moi toujours les mauvaises choses arrivent? Qu'est-ce qui ne va pas même? Quand est-ce que les bonnes choses vont m'arriver aussi? Et toutes ces histoires sont des histoires assez compliquées. Mes frères et sœurs, vraiment c'est grave. Combien de fois des personnes aussi qui sont riches sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent. Combien de fois les gens qui ont de l'argent, qui ont les moyens, sont prêts à acheter même d'autres personnes pour tuer leur congénère, rien que pour obtenir le désir de leur cœur. Ce qui se passe dans ce monde ou ce qui va se passer dans cette histoire ici va vraiment vous étonner. C'est l'histoire d'un homme. Un homme simple. Un pauvre homme avec sa petite amie. Les deux vivaient dans un village. Et grâce à Dieu, ils ont été choisis pour travailler pour la reine. Ça veut dire quoi? Ils sont dans ce village-là et il y a un roi. Et ce roi-là, il a une fille. Et sa fille-là, c'est elle qui avait besoin de quelqu'un pour travailler pour elle comme un cuisinier. Et c'était cet homme-là. Et cet homme était assisté par une femme. Et cette femme-là, c'était la copine à ce gars-là. Et lui, il aimait beaucoup la fille. Il aimait tellement la fille que franchement, ça dépassait même son entendement. Elle aussi, elle aimait vraiment. Elle aimait beaucoup. Les deux ne sont pas riches. Ils sont vraiment pauvres. Mais la seule chose qu'ils ont, c'est d'avoir la grâce ou encore la possibilité de travailler chez des gens qui sont riches. Et cet homme-là, il était élégant. Il était beau. Ah! Même quand tu es pauvre et puis tu es beau là, tu attires le regard même de tout le monde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que même là, les hommes riches même se disent que waouh, tu as quelque chose d'extraordinaire sur toi que tu ne sais pas. C'est à ce moment où on va commencer à te regarder pour dire, toi là, tu as quelque chose sur toi même qui est important que toi même tu ne sais pas. Hein. Je vous parle de quelque chose. Et c'est à ce moment où la fille riche, elle va commencer à se regarder. Ah, regarde, regarde. Ah, imagine s'il avait un peu d'argent, qu'est-ce que ça allait donner? C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Entre elle et les filles, elles vont commencer à se faire de ses idées et vont chercher maintenant à essayer de vous prendre comme petite amie. Waouh, ce sont des choses qui sont arrivées. De toute façon, nous raconterons cette détail d'histoire. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de la TV pour ne pas manquer de telles vidéos que vous venez. Mais ici, ce qui va se produire, c'est que la princesse, elle, dans sa solitude, elle va voir un homme. Et cet homme-là, c'est ce dernier. Et ce dernier était tellement beau à ses yeux qu'elle avait toujours le regard fixé vers lui. Ah, c'est comme ce qui s'est passé avec Joseph là. Vous voyez, Joseph et la femme de Potiphar. Elle aimait le gars. Carrément. Elle aimait le gars carrément. Jusqu'à chercher même à faire un plan même pour coucher avec lui. Et c'était la même chose
qui se préparait pour cet homme en question. Et pendant que ces choses se produisent, c'est-à-dire que pendant que ces choses se mettent en place, la copine à ce dernier a vu, senti cela venir. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner dans un sens assez compliqué. Elle a remarqué qu'effectivement, la fille du roi, la princesse là, elle a des sentiments pour son gars, pour son copain, pour son boyfriend, son meilleur ami en même temps. Et elle, quand elle a découvert ça, elle a vu que ses intérêts sont menacés. Et puisque ses intérêts sont menacés, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider d'informer son copain, son petit ami, de ce qui arrive. Elle va tout simplement lui dire que elle a remarqué que la princesse l'aime beaucoup même. Et cet amour-là va au-delà de l'amour simple. C'est-à-dire, moi je vous aime, mais je ne cherche pas à vous marier tous mes abonnés. Est-ce que je cherche à vous marier? Non, c'est un amour fraternel. Mais l'amour de cette princesse là, elle cherchait à marier le gars. Ah! La fille, elle a vu ça, elle a dit, moi mes intérêts sont menacés. Du coup, elle allait voir le gars. Elle a tout dit que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ce qui ne va pas là, que la princesse t'aime. Mais elle ne peut pas te dire pour le moment. Moi je suis une femme. Je l'ai vu. J'ai vu cela dans ses yeux. Il faut que je te provienne de ces choses-là. Pour que tu puisses te tenir, que tu puisses prendre tes précautions. S'il te plaît, même. Quittons le lieu. Abandonne ce boulot-là. Allons chercher un autre travail. Quittons l'endroit. Je ne veux vraiment pas qu'on reste ici un jour de plus. Hein? Pendant qu'elle parlait ainsi là. Le gars lui-même, il ne pouvait s'imaginer un truc pareil. Il ne pouvait même s'imaginer un truc pareil. Il regarde la fille et dit, ah, toi aussi, dans ce village ici, qui peut m'aimer? Moi, un pauvre type comme ça. Moi, un pauvre type comme ça. Qui peut m'aimer? Qui peut m'aimer? Elle dit, je te parle de quelque chose, j'ai la vue de ses yeux. La femme, elle t'aime, pardon, faut qu'il tourne ici. Elle est seule même en plus, elle n'a pas de copain, c'est toi seule, elle a vu. S'il te plaît, pardon, moi je t'aime, je veux pas qu'on reste ici une journée de plus. Ah! Le gars dit, faut moi je peux pas croire qu'elle puisse moi-même, mais moi je suis un gars pauvre, je suis un pauvre type. Je suis un pauvre type quand même. Toi, mais regarde-moi. Je suis un villageois. Comment la fille du roi va-t-elle m'aimer? Non, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux même pas concevoir cela. Je ne peux même pas concevoir cela. Lui, il n'y croyait pas. Pendant que les deux seraient en train de causer là, la reine va les surprendre. Ou plutôt, la fille du roi, la princesse, elle va les surprendre. Et qu'elle va les surprendre? Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va les virer les deux. La fille va dire, ok, ça tombe bien. Bah, allons-y maintenant, elle nous a viré, allons-y. Lui, il est là, il dit, tu crois? Donc, elle nous a viré. Non, c'est pas moi qui ai été viré, c'est pas moi qui ai été viré. C'est toi qui ai été viré. Elle dit, s'il te plaît, ne me fais pas ça, allons-y. Il dit non, je peux pas laisser mon boulot. Ah, je suis un pauvre, comment je vais faire pour avoir l'argent, tout ça. Elle dit, s'il te plaît, pardon, allons chercher notre travail, pardon. Elle aime le gars. Elle aime le gars. Elle ne veut même pas qu'une autre femme vienne le prendre. Sinon, son cœur serait tellement brisé. Vous connaissez les femmes, quand elles aiment là. Ah, chagrin d'amour, toi aussi. Faut pas me faire ça. Et elle, vraiment, elle donnait tout, elle faisait tout pour ne pas perdre du gars.
Mais le cas ne voyait pas que cette femme-là, elle l'aimait vraiment. Et la fille, finalement, a été virée. Et lui, il est allé devant la fille du roi pour lui demander pardon, s'excuser. Elle dit, ah, tu es venu t'excuser. Il n'y a pas de souci, il accepte tes excuses. Mais sache que je t'aime. Quand elle lui a dit, mais sache que je t'aime. Le gars même était étonné, il avait ses yeux comme ça. Et sa bouche en même temps. Hein? Si la fumée pouvait sortir de sa bouche, elle est sortie. Hein? Quoi? Il ne pouvait pas s'imaginer que lui, un pauvre type là, la fille du roi puisse l'aimer. C'est un villageois. Mais il est vraiment beau. Ça y est, derrière ce vêtement de villageois là, il y a quelqu'un de vraiment très élégant. Et la fille du roi, elle a vu ça. Et depuis qu'elle a vu cette histoire là, elle n'est plus la même. Et c'est le seul gars qu'elle a réussi à aimer comme ça. Et quand elle lui a dit ça, il dit non, il ne peut pas croire. Il dit si, ce que je te dis là, c'est la vérité. Et moi, je vais faire de toi l'homme de ma vie. Du coup, tu seras mon homme et je serai ta femme. Est-ce que tu es prêt? Il lui dit que je ne peux pas croire ça, je ne peux pas croire, je ne peux pas croire. Elle dit c'est la vérité ce que je suis en train de te dire. Pour commencer, sache que tu n'as pas perdu ton boulot. Il a essayé de rejeter le temps un jour parce que c'est de même comment il allait faire pour gagner de l'argent, tout ça. Et tu dois savoir aussi que je veux te donner une autre position. La place que tu occupes ici, ce n'est pas bien. Je vais faire en sorte que tu puisses travailler dans l'entreprise, dans l'une des entreprises de mon père et tu seras le manager, tu seras la tête là-bas. Il dit, mais moi je ne suis jamais allé à l'école, je n'ai pas de diplôme. Elle dit, elle-même elle a commencé à rire. Elle dit, on n'en a pas besoin. Moi je dis, tu vas aller travailler dans l'entreprise de mon père. Tu seras juste assisté par deux gars qui seront sous tes ordres. Tu connais où, tu connais pas où. On te positionne en haut là-bas. Et puis tu es là-bas. Tu fais tout ce que tu dis, tu dis là, c'est ce qu'on fait. Et eux seront là pour te donner des conseils, comment il faut faire, et puis c'est tout. Toi seulement tu vas rester dessus à ce poste et puis tu perçois tout le money qu'il faut. Hein? Quand j'ai vu ça là, j'ai dit vraiment, c'est que la grâce de Dieu suffit. Hein? Aujourd'hui là, moi-même, je pense même que pour réussir là, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Si Dieu est avec toi et que vraiment tu es fait même pour la chose que tu dois occuper, même un tel poste là même. Tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes de Monsieur Jacob. Mais des diplômes de doctorat, pas plus, je ne sais même pas, 70. Ah, le gars, il n'est jamais allé à l'école, déjà, on lui donne un tel poste. Lui-même, il ne peut même pas s'imaginer qu'il pourrait avoir un tel poste, mes frères et sœurs. Il était dépassé, mais à une seule condition. À une seule condition, c'est à la condition. À la condition que le gars, premièrement, il aime cette femme. Et deuxièmement, il oublie sa copine. Il l'oublie carrément. Oh, lui aussi, il aime la fille. Ah! C'est là, il était maintenant dans un dilemme. Elle dit, tu peux réfléchir, tu peux prendre le temps pour réfléchir. Mais sache que demain, nous aurons fait du shopping. On va t'acheter de nouveaux vêtements. Tu ne seras plus la même personne. Oh! Quand le gars a vu ça, il dit, mais tu dis quoi, mon ami? Mais de quoi tu parles? L'argent! Ok! Du coup, il devait maintenant choisir entre l'argent et sa copine. Selon vous, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va tout simplement se mettre à réfléchir. Et pendant qu'il réfléchissait, sa copine chez elle, elle se mettait à pleurer parce que elle se disait que c'est fini, elle a perdu son gars. Parce que ce dernier, vraiment, est sur le chemin très mauvais qui risque de faire en sorte qu'il puisse se loigner d'elle. Donc elle a peur. La femme, la fille, elle a peur comme ça.
Elle est à la maison en train de pleurer déjà. Pour elle, c'est fini. Chagrin d'amour. Et elle n'avait pas tort, hein. Elle n'avait pas tort. Ce gars s'est laissé séduire par de l'argent. Et la reine s'est mise à s'occuper de lui. Plus tard, elle a rendu visite à la fille. Et il a dit à la fille que franchement, il gère. Qu'il a un plan. Il a un plan. Il l'aime toujours. La fille dit, mais comment ça, tu as un plan? Il dit, s'il te plaît, il ne faudrait pas que la reine me voie avec toi en ce moment. Pour rentrer, reste à la maison, occupe-toi. Et je vais faire ce qui est à mon possible pour que tu ne manques de rien. Mais ça, c'est si cher. Elle dit que moi, je ne peux pas manquer de rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Moi, c'est toi ce qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin d'argent ou de quoi que ce soit. C'est toi qui m'intéresse. Quand une femme aime, elle aime, l'argent n'intéresse plus. Moi, mais si Dieu m'a donné une femme comme ça, mais elle dit merci. À ce moment-là, même là, il a oublié de ne pas fumer. Il n'a même pas fumé plus. Elle-même de tout son cœur, que je sois parfumé, je sonne bon, que je sonne mauvais, que je lui donne l'argent ou je lui donne pas l'argent. Elle-même. Et ça, c'est extraordinaire. C'est déjà des cas là, mon frère. Pas parce qu'il faut pas te délaisser. Hein. Pas parce qu'elle t'aime, tu vas te faire durer le fou là. Il faut la considérer quand même, il faut lui donner de la valeur. Il faut lui dire franchement, tu es extraordinaire. Et tu es vraiment l'unique personne qui peut m'offrir un tel amour. En plus, son cœur soit toujours réjoui. Ou réjoui le cœur de la femme là, quand même. Ah, toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas même? Il faut la marier. Hein. Laisse aussi là. Laisse ceux qui ne m'apprennent pas et puis ne me marient pas là. Arrêtez ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ah, tu es un vrai gars. Il faut marier la fille là. Ah. Tu avais elle depuis des années. Tu dis que tu la testes. C'est quel test tu fais? Il ne faut pas devenir sorcier. Hein. Merci les frères et sœurs. Et ce gars-là, il va faire des promesses à sa copine et il va retourner chez la fille du roi. Et la fille du roi, elle aussi, elle va commencer à changer carrément la vie de cet homme. Et le processus de transformation de sa vie a commencé. Elle a commencé par l'envoyer dans un supermarché pour lui acheter de nouveaux vêtements. De jolis vêtements. Et ce gars-là vraiment était tellement élégant que tout ce qu'il portait là-bas, c'était vraiment beau avec lui. Et ce gars-là, il a commencé à recevoir des présents de cette femme. De l'argent, une voiture, et même une maison. La femme, la fille du roi lui a acheté une maison, mes frères et sœurs. Une maison. Et ce gars-là, sa vie a changé. Tellement sa vie a changé, il a décidé un jour de prendre son véhicule et de rendre visite à sa petite amie avec des cadeaux. Quand il est arrivé, sa petite amie, elle aussi, elle ne l'a pas accepté. Elle dit, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de t'approcher de moi. Moi, je n'ai pas connu un homme riche. Moi, je n'ai pas connu un homme qui est habillé comme tu es habillé, avec élégance. Moi, j'ai connu un gars simple. Qui vit dans les mêmes conditions que moi. C'est celui-là que moi j'ai aimé. C'était mon homme. Mais dans la dimension où tu es bien habillé comme ça, même avec une voiture là, moi vraiment, je ne me sens pas à ta place, à ton niveau. S'il te plaît, faut partir. Je t'aime, mais faut partir. Waouh! Et peut-être qu'elle parlait là, elle pleurait en même temps. Du coup, la maman a cette fille est venue. Dès qu'elle a trouvé sa fille, elle a pleuré avec le. Et puis le gars est là. Elle a pris la machette en même temps. Tu ne sors pas ici, il a été découpé en morceaux. Ah, saucisse. Mon hamburger sera rempli aujourd'hui.
pour voir la mère en train de défendre sa fille. Tu as même donné chagrin d'amour à sa fille et puis elle va te laisser tranquille. Et puis c'est ça, c'est son unique fille. Elle rigole pas, ça, elle ne veut pas s'amuser avec. Pour la voir dans toute sa colère. Et le gars là, il a vu marcher tout ça là. Il a pris tout de suite la fuite. Il ne pouvait s'arrêter. Il a fui. Waouh! Et quand il est parti, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, vous savez que quand, vous savez que, bon, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, il était surveillé. Et que vous savez que quand vous êtes avec une personne célèbre, ou même qui a de l'argent, la plupart du temps, là, vous pouvez être surveillé. Hein. La plupart du temps, vous suivez, il y a des gens qui sont là juste pour vous surveiller. Ils regardent ce que vous faites. Vous allez et viens rendre compte à cette personne en question. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et lui, il était surveillé. Et ce jour-là, les gars qui le suivaient là ont appelé la fille du roi pour lui dire que son copain est retourné voir sa copine. Elle aussi était fâchée, elle s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour enlever l'amour de ce gars-là. L'amour de cette fille-là dans son cœur. Ou encore, il faut la faire disparaître. Il faut la faire disparaître. Hein? Comme elle a l'argent, c'est facile. Voici comment elle a organisé un kidnapping. Elle a kidnappé la fille-là. Hein? Elle a tapé la fille, il a envoyé la fille dans un endroit très éloigné de la maison. Et ils ont commencé à lui faire des choses inutiles. Ah! La fille même elle ne comprenait pas. Elle dit que le gars là, je l'ai laissé. Laisse-moi tranquille. Elle dit, la fille du roi dit non. Je ne l'ai pas laissé, je vais toujours te voir. C'est que nous allons t'aider à l'oublier. Fais ta dernière prière. Et c'est ainsi que la fille du roi a pris une seringue, une piqûre. Je ne sais pas si c'était quoi, c'est pour l'injecter du poison ou bien tout pareil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après plusieurs discussions, après la dernière prière de cette fille-là, elle lui a injecté cela. Ouh! La fille est carrément tombée là. Quand elle s'est réveillée dans un autre monde, dans une autre contrée. Couché comme ça sur le sol. Elle-même elle est étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce que je cherche à faire ici même? En fait, elle a été injectée. La fille du roi l'a injectée. Un produit. Une piqûre qui lui permet. Qui va faire en sorte que cette fille-là ne se souvienne de rien. De son passé. Qui est sa mère, qui est son père. Elle ne se souviendra de rien. C'est comme si elle avait du Alzheimer. Vous connaissez cette maladie là, Alzheimer. Les gens créent ce nom bizarre. Alzheimer. Voilà. Et elle s'est retrouvée là-bas, dans un tel endroit. Et elle était couchée carrément. Elle était couchée. Et tous ceux qui passaient là, avec leur portable, il faut les voir tout dépendre de tirer une photo pour mettre sur Instagram. Ils prennent une photo comme ça. Photo. Quoi? Photo. Photo. Ah! Tout le monde la prenant en photo pour mettre sur internet, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partout. Ça parlait de ça. Ah, il y a une fille qui est couchée ici, on ne sait pas ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Mes frères et sœurs. Mais voici que une personne qui connaît la fille va tout simplement voir la photo là sur Instagram. Et ce gars là aussi, c'est un gars qui aime la fille depuis là, il aime la fille, il lui dit elle ne veut même pas l'écouter parce qu'elle elle aime déjà son cousin. En fait c'est le cousin à la fille là, qui c'est à dire le cousin à cet homme, à l'homme à la fille là, qui aime la fille depuis là, de lui parler, elle ne veut rien écouter parce qu'elle aime déjà son cousin. Et lui, il a vu cette situation-là, il ne pouvait pas la laisser ainsi. Même son ami lui a demandé de faire quelque chose. C'est ainsi que ce gars a pris son véhicule et il s'est lancé à sa recherche
dans l'endroit où elle se trouvait. Et Dieu merci, il a trouvé assise dans un caniveau comme ça. La fille du roi lui a fait du mal. Elle a perdu. C'est-à-dire, sa mentalité, tout était troublé dans sa tête. Elle se retrouve même plus. Mon Dieu, une fois de ça, les gens sont méchants. Les gens sont méchants même. Et voici que le gars, il va arriver face à la fille. Il va même l'appeler par son nom. Elle va le regarder comme ça. Elle va se lever. Elle va se mettre à courir. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand elle va se mettre à courir, eux aussi, ils ne pourraient pas la laisser courir comme ça. C'est-à-dire qu'eux aussi vont se mettre à la poursuivre. Maintenant, dans cette fuite-là, en traversant la route, la fille aura un accident. Un accident. C'est ainsi qu'ils vont la récupérer et l'amener à l'hôpital. Quand ils vont l'amener à l'hôpital, la mère, cette fille va la rejoindre là-bas. Pour voir la mère de pleurer, c'est son unique fille. Si elle, c'est son unique enfant. Si elle meurt, comment elle va faire? Ah, vous savez que c'est pas facile. Avoir un enfant là, si c'est facile pour vous, dites Dieu merci. Mais c'est pas toujours facile pour les gens. C'est pas, les femmes, beaucoup de femmes souffrent ici. Elles ont besoin d'un seul, seulement, c'est ce qu'elles recherchent. Elles n'en trouvent pas. Mais le jour où Dieu les en donne, elles sont à court à cet enfant jusqu'à la fin. Pas toucher son enfant. Et elle veut que son enfant réussisse. Et lui fasse plaisir. Mais là, c'est son enfant qui est en train de mourir. C'est pas ce qu'elle a prévu pour son enfant. C'est exactement comme ça, c'est comme ça Dieu pense de nous. Nous qui sommes ces enfants qui abandonnent son chemin là. C'est comme ça qu'il pense de nous. Il nous voit tous les humains ici comme si nous étions son unique enfant. Ça fait que quand on se loin de lui, on commet bien le fait de faire le péché, on se lance à la prostitution, tout ce qui ne lui plaît pas, il pleure. Et il se dit vraiment, il est tenté de perdre son unique enfant. Ma soeur, réveille-toi s'il te plaît. Mon frère, il faut te réveiller et rejoindre ton vrai père. Celui-là même qui va être content de te revoir. En plus, ce n'est pas un gamin qui est pauvre, il est riche. Il pourra te donner tout ce que ton cœur désire. Mets-toi en genoux sur moi et dis, oh mon Dieu, tu es mon père, aide-moi. Je suis ton fils, accepte-moi. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi un bon gars, un bon fils, une bonne fille. Et ta mère, tu verras. Quand cette femme est arrivée sur le lit de l'hôpital, elle voulait qu'elle parle. Et elle parlait à une personne qui est déjà dans un autre monde. Elle est dans le coma. Tout ce qui se passe autour d'elle, elle ne voit rien. Ah! Mes frères et soeurs. Quand on est dans le coma, c'est pas bon, hein? Tout ce qui se passe autour de toi, on te dit que tu es vilain. Tu n'entends rien. Tu es joli. Tu n'entends rien. Je vais te donner 1 million d'euros. Tu n'entends rien. C'est là où on voit les limites même des choses de ce monde. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Et voici que dans cette situation, les gens ont commencé à lui rendre visite. Plein de personnes. Et voici que dans la même période, un truc vraiment étrange va se produire. Le père de la reine, lui, il serait de retour dans leur pays, dans son véhicule comme ça, le même véhicule. Et celui-là même, qui est le chauffeur là, qui est le conducteur là, on ne sait pas ce qui va se passer, il va heurter un truc pareil, il y aura un accident. Du coup, le cas que le roi là, il va se retrouver à l'hôpital aussi, lui aussi, dans le coma. Et c'est dans le même hôpital. Dans le même hôpital. Peut-être que les gens seront devant visiter toutes ces histoires. Quelques temps plus tard, lui, il va récupérer. Et quand il va récupérer, il va voir maintenant cet homme-là même là, travaillait dans sa maison pour sa fille. Il va dire, mais qu'est-ce que tu cherches ici? C'est à ce moment que lui aussi, il va dire, mais toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Et pourquoi tu as un truc sur ton cou? Comment ça s'appelle là même là?
Réagissez d'abord les commentaires, dites-moi. La chose qu'on met sur le coup des personnes qui ont des accidents, qui ont un cou cassé là. Un plâtre. Maintenant, la question de se poser des questions, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Voici que la fille du roi aussi, elle aussi, elle serait là. Parce qu'elle est venue chez son père. Et ils vont s'expliquer. Et finalement. On va dire que la fille là, elle a eu des problèmes. C'est moi qui a eu des problèmes avec sa pensée, sa mentalité. Du coup, on l'a envoyé ici, qu'elle récupère pour qu'on la soigne. Lui aussi va demander d'aller voir la fille. D'abord d'aller voir la fille, sa fille qui est à côté, qui a attendu sur toi, elle n'a pas manqué de dire qu'effectivement, c'est elle qui en est responsable. C'est elle qui est responsable de son état. Ah, elle-même était étonnée. Mais pourquoi tu fais ça? Bon, comme l'histoire devenait grave, je ne peux pas tout discuter. Voici comment les deux sont tout simplement allés dans la chambre où était couchée la fille. Dieu merci, elle était réveillée. Elle était assise et quand elle a vu le roi, elle était contente, mais quand elle a vu sa fille, elle a vu à sa fille l'horreur, le monstre qui a tenté de la tuer. Vous la voyez en train de crier maintenant. C'est elle qui va me tuer. De ces cris là, vous savez que traverser un traumatisme, c'est devenu bizarre pour elle. Voici que c'est en train de se débattre. Peut-être qu'elle se débattait là. Son vêtement s'est déchiré. Au niveau de son ventre, s'est déchiré comme ça, ici. Vous voyez non? Ça, c'est déchiré. Donc, on pouvait voir son bas-ventre. Au niveau de son bas-ventre là, il y avait une tache de naissance. Vous savez ce qu'on appelle les taches de naissance là? C'est pas pour ça, ressemble un peu au point de beauté, mais c'est une tache de naissance. Et quand le roi a vu cette tache de naissance, il me mettait dépassé. C'était pas possible de voir une tache de telle tache de naissance sur une autre fille qui n'appartient pas à la famille royale. Parce qu'effectivement, cette marque là, c'est la marque des rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de la lignée du roi, de la famille du roi, ils ont tous la même marque. Comment se fait-il que cette fille-là ait cette marque? Oh, elle, c'est une villageoise, c'est une simple fille du village. Ah! Quand tout s'est rétabli, le roi a demandé à les voir à la maison. Du coup, le roi va demander à la mère, à sa fille. Est-ce que tu sais d'où vient cette marque-là? Parce que cette marque-là, ma propre fille même qui est à côté de moi, là, elle a la même marque sur elle. Moi-même, j'ai la même marque. Mon père avait la même marque. Et ça se transmet de génération en génération. C'est ainsi qu'on reconnaît que vous êtes véritablement l'enfant du roi. Donc, où est-ce qu'elle a eu cette marque-là? À ce moment, la femme va se mettre à genoux en train de pleurer maintenant. Il dit qu'il y a quelques années, elle était enceinte. Elle allait à l'hôpital, elle a enfanté. Et quand elle a enfanté, son enfant est mort. Et quand son enfant est mort, là, il fallait qu'elle fasse quelque chose. C'est ainsi qu'elle s'est baladée dans l'hôpital. Là. Et elle a trouvé un autre enfant qui était vivant. Elle a déposé son enfant qui est décédé là, à la place de l'enfant qui est. C'est-à-dire son enfant qui est mort, elle a déposé cet enfant qui est mort juste à côté et elle a pris l'enfant d'une autre femme. Et c'est l'enfant de cette femme-là qu'elle a transporté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'enfant-là qui est devenu sa fille. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'enfant qu'elle venait de prendre là, ou bien à la même période là même là où elle avait accouché, la femme du roi aussi, elle était ici, elle aussi, elle était enceinte, elle avait accouché. Et c'est l'enfant de la femme du roi là qu'elle allait prendre. Laissant la femme dans les douleurs. La femme a passé son temps à pleurer parce que pour elle, son enfant est décédé. Vous voyez ce qui se passe souvent même chez les femmes. Comment on peut faire des trucs pareils? Comment on peut faire des trucs pareils même souvent? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Et puis ça même se trouve encore même dans la Bible. Autant du roi Salomon là. Il y a deux femmes qui faisaient des trucs pareils. Elle faisait des trucs pareils, mes frères et sœurs. Elle s'est discuté un enfant. Il y a une même qui n'était même pas la mère de l'enfant. Elle voulait même qu'on tue l'enfant là.
Mais le roi n'est pas bête. Quand Dieu te donne une intelligence à ses paupières, il te suit et pour construire, pour régler les problèmes. Ah, quand tu as en face de toi plusieurs abonnés là, que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse, hein? Sinon c'est pas bon. Mais Dieu merci. Dieu a donné l'intelligence à ce gars-là, à ce roi-là, Salomon, parce que lui-même, il en a demandé à cause même du peuple qu'il devait gérer. Et ça a porté ses fruits. C'est lui qui a réussi à découvrir qui est la véritable mère. Et cette femme-là ici, elle a pris l'enfant de quelqu'un. Et c'est cet enfant-là qui a grandi. Et finalement, là, après mûre réflexion, ils ont découvert qu'effectivement, l'enfant qu'elle a saisi là, ça ne lui appartient pas. Ça appartient plutôt au roi. En un mot, c'est la fille du roi qui est là. Donc, j'ai failli tuer ma soeur. C'est ce qu'elle a dit maintenant, c'est comme ça à répliquer. La fille maintenant, la propre fille du roi. Puisque c'est elle qui a injecté un tel produit dans cette fille-là. Pourquoi l'éliminer ou bien lui faire perdre sa conscience. Vous avez vu. Et elle-même, elle était vraiment dépassée par cette histoire. Elle ne pouvait pas croire que la vie pouvait se passer comme ça. Et regardez comment ça s'est produit. Le roi a eu un accident, elle s'est retrouvée dans l'hôpital et dans le même hôpital. Parfois, il y a des choses bizarres qui arrivent comme ça. Donc, on s'est dit, quelle coïncidence. Ou bien, qu'est-ce qu'on a dit même. On s'est dit, quel malheur. Quel malheur. Pourquoi moi-même, c'est toujours à moi-même que la mauvaise chose arrive. Pourquoi c'est moi toujours qui traverse des difficultés. Si tu es un vrai chrétien, là, on te dit, il faudrait que tu considères les difficultés, hein, parce que ça fait partie de ta vie. Mais c'est dans les difficultés que tu feras des espoirs. Nous allons te dire. Nous avons une deuxième chaîne qui s'appelle Young Studio 4D. Là-bas, on fait des espoirs. Moi-même, parfois, je fais des choses qui m'étonnent. Mais ça m'étonne, parce que Dieu lui-même, il nous utilise pour faire des choses assez étonnantes. Waouh! C'est hier, je me suis aperçu que dans le passé, effectivement, Dieu m'avait utilisé pour faire des vraies choses comme ça. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, les coïncidences, il n'y a pas de coïncidence. Tout est organisé, tout est bien préparé. Et Dieu, parfois, il a le contrôle de tout. Pour veiller à ce que les choses se règlent dans la vie des gens. Ah! Vous voyez? Par amour, tu vas tuer la fille là, quelqu'un, enfant de quelqu'un. Parce que tu veux qu'il t'aime seul et que tu as les moyens. Tu vas la tuer. Et voici que tu te rends compte que c'est ta soeur. Franchement, il lui a présenté toutes les excuses de la planète. Elle a pleuré jusqu'à ses larmes même voulaient finir. Si moi-même là, j'avais des gobelets, même ou bien j'avais un récipient, elle met ça même en dessous de son gobelet, elle a bien pleuré hein, pour remplir même le récipient là même, parce qu'elle pleurait même tôt. Hein. Ah! Mais, waouh, quelle histoire! La fille a pleuré. Elle ne savait pas que le roi c'était son père. Et que la reine même qui est en voyage à ce moment-là, c'est sa véritable mère. Quand cette histoire s'est réglée, tout de suite le roi a appelé sa femme qui se trouvait hors du pays. Elle se trouvait à l'étranger. Ah là 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 là. Vous voyez la femme en train de courir maintenant pour venir dans le pays. Ah, pour voir sa fille, son enfant. Et son enfant lui ressemble net et clair. Elle a regardé la fille là comme ça. Ah! Qu'elle est arrivée, elle a vu la fille là. Elle était même dépassée quoi. Elle dit mon enfant. Enfin, là mes enfants sont réunis. La famille est complète maintenant. Elle a tapé ses deux filles dans les deux mains. Et quelques temps plus tard, elle a appelé sa nouvelle fille. Et elle lui a dit franchement, je vais te demander un truc. Elle dit, qu'est-ce que tu vas me demander maman? Elle a commencé déjà à l'appeler maman. Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma vie a changé. Oh. C'est ma maman. Elle a commencé à l'appeler maman. Et la maman va dire, hey, franchement, merci Seigneur de t'avoir ramené à la maison. Mais il y a une chose que j'aimerais te demander, s'il te plaît, ma fille.
pardonne à ta soeur. Elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Vraiment, elle demande est-ce que je vais te demander pardon encore. Elle ne t'inquiète pas. Depuis le jour où elle s'est excusée, je l'avais pardonné. C'est ma soeur. C'est mon sang. Il faut que je lui pardonne. Non, je ne peux pas dire ça. Oh, mes frères et soeurs. Quel amour. Quel amour. Le pardon, parfois, là, ça libère. Et nous devons apprendre à pardonner, mes frères et soeurs. Même si ce n'est pas ton sang. Tu dois vous pardonner. Il est nécessaire que tu pardonnes. Parce que le grand Dieu que nous adorons, que nous servons là, c'est un Dieu qui n'accepte pas les gens qui ne pardonnent pas. Si tu as grossi le cœur contre quelqu'un et puis tu es lourd comme ça, et même tu regardes cette vidéo spécialement, nous allons prier pour toi. Lève tes deux mains. Et dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à pardonner. Donne-moi ton esprit, donne-moi ta force pour pardonner. Donne-moi de pardonner à mon prochain. Déjà, toi-même, là, sur place où tu es, libère ton cœur, libère ton esprit et pardonne. Tout ce que tu feras pour présenter tes excuses ou bien pour veiller à ce que tout soit résolu en toi et la personne pour qui tu as reçu le cœur, fais-le, libère-toi et marche, prends une autre voie, continue ton chemin. Que Dieu lui-même t'accompagne sur ce chemin. Aujourd'hui, on ne peut avoir confiance à l'homme. Même la parole de Dieu nous dit, malheur à quelqu'un se confie à l'homme. Toi, tu ne peux avoir confiance à l'homme. Aie confiance à Dieu. L'homme te fera jamais du bien. L'homme parfois même te fera même plus que le mal. Mais t'inquiète pas. Toi, fais le bien et marche toujours sur le bon chemin, mon frère et soeur. Marche toujours sur le bon chemin. Et pardonne beaucoup. Une fois que tu as pardonné, tes prières seront exaucées. Et Dieu lui-même acceptera maintenant ton pardon. Parce que si tu ne le fais pas, sache que Dieu qui est au ciel n'acceptera même pas ton pardon. Parce que toi, tu n'as pas réussi à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Celui que tu ne veux pas pardonner là, que tu veux ou pas, c'est le fils de Dieu ou bien c'est la fille de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. C'est comme toi, tu es l'enfant de Dieu et tu es en colère contre un autre enfant qui appartient à Dieu, même si cet enfant-là ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu vois? C'est toi qui dois lui montrer le chemin, comment ça se passe. Ça ne sera pas facile, mais c'est la vérité. Et nous devons apprendre à faire le bien et à suivre la recommandation de Dieu. C'est celui-là finalement a pardonné à sa soeur. La famille a été réunie. Et plus tard, elle s'est mariée à ce dernier, cet homme-là, qu'il a aimé, qui n'aime pas penser avec la fille du roi qui lui demandait qu'il lui présentait tout. Celui-là même qu'elle a marié. Et quand elle a épousé là, ce qui même s'est passé, c'est qu'avant qu'elle épouse, le roi l'avait appelé et lui a dit que l'aimait la manière dont il s'est comporté avec sa fille. Et lui, il aimerait vraiment être connaissant de lui. Et vu qu'il a travaillé ici dans cette maison, lui, il aimerait vraiment que ce gars-là devienne véritablement son manager. Il a même envoyé les papiers pour que ce gars-là puisse les signer et qu'il commence déjà à travailler. Une voiture sera à sa disposition. Une grande maison sera également à sa disposition. Et c'est extraordinaire. Vous voyez que les hommes riches peuvent faire du bien. Les hommes riches peuvent quand même changer la vie des gens. Mais celui-là même qui transforme la vie même du pauvre, de celui-là même qui n'a même pas la possibilité de rencontrer une telle personne, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Ta voie de vie, transformer votre vie. Mais ça commence par la nouvelle naissance. La chose que tu dois avoir en ce moment, je souhaite te parler, c'est Jésus-Christ de ta vie. Tu vas carrément apporter cette chose-là qui te permettra d'entrer en contact avec de bonnes personnes, que ta vie puisse prendre une autre tournure. Même si tu es dans le désert et que tu vas rencontrer quelqu'un là, Dieu va créer une source d'eau, ça va, l'eau là va sortir du tuyau là comme ça, ça va venir vers toi, tu vas boire. Parce que la main de Dieu n'est pas trop pour sauver. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut croire, il faut avancer. Apprends à pardonner. Que cette histoire la tête, quel que soit l'argent que tu as, ne cherche pas à chez Marie des gens.
mais femme des gens. Ah, c'est quoi ça là? Cherche femme des gens seulement. Jusqu'à tu es prêt même à faire des bêtises sur les gens pour ça. Mon frère, si tu es prêt à faire cela, il faut arrêter. Si tu l'as déjà fait, il faut te repentir, il faut te confesser. Demande pardon à Dieu, parce que si tu ne l'as pas fait, que tu meurs dans cette situation, mon frère, il va te dire, tu n'iras pas au paradis. Et ça là, c'est toi-même qui auras cherché. Si on t'a pas déjà dit qu'on t'a jamais dit. Aujourd'hui, nous sommes sur le nez pour nous permettre de découvrir des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous êtes touché comme moi, en tout cas, moi, je suis même plus touché. Que touché de pourquoi vous avez raconté cette histoire, cliquez directement sur j'aime si vous êtes touché. Et partagez cette vidéo à quelqu'un, ça va certainement lui faire du bien. Et préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir. Nous serons un témoignage puissant où nous découvrons des choses extraordinaires, même des vidéos de type analyse où nous allons voir des choses vraiment hors du commun. C'est notre travail et nous devons bien faire notre boulot. Depuis que nous avons eu les 25 000 abonnés, nous ne sommes plus la même personne et nous faisons des choses vraiment hors du commun, Seigneur, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous remercions le passage à tous ceux qui ont fait les dons, ceux qui ont fait les dons de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut. Si vous avez les moyens et vous voulez vraiment nous soutenir, vous pouvez réagir en nous soutenant vers les dons, vers Western Union. Il y a aussi PayPal. Mais nous recommandons Western Union. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez faire les dons. Merci déjà à tous ceux qui donnent les vœux de Christ. C'est ça le plus important. Et le plus grand don que vous puissiez nous offrir, mes frères et sœurs, c'est de prier pour vos prochains, tous ceux qui vous entourent, et de prier aussi pour nous. Priez pour nous que Dieu nous donne toujours cette force-là de pouvoir vous offrir des choses extraordinaires qui vous permettront de sauver, qui vous permettront de sauver la vie. Maintenant de permettre à beaucoup de personnes d'être réveillées et de pourquoi pas de nouveau sur le bon chemin jusqu'au paradis. Le paradis là, l'argent ne peut pas payer ça. L'argent ça ne peut pas payer le paradis. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le travail que nous faisons, c'est un travail même qui nous conduira même au ciel. On me sait que c'est ça même. Est-ce que c'est faux? Mes frères et sœurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Merci. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Mais c'est